Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un fichier Google Sheets à partir d'un modèle. Donc, première des choses pour trouver les modèles, il faut premièrement aller dans l'application Google Sheets. Puis, lorsque vous démarrez l'application, on vous offre de créer une feuille de calcul vide ou encore là de partir d'un des modèles qui vous est offert ici. Vous pouvez également, en cliquant ici, voir la galerie de modèles. Vous avez deux galeries de modèles qui s'affichent ici. Puisque je suis dans mon compte scolaire, je vois la galerie de modèles de mon compte scolaire. Donc ici, j'ai plusieurs modèles qui s'offrent à moi. Et j'ai également l'onglet général qui m'offre des modèles déjà préétablis, offerts par Google. Donc par exemple, des listes de tâches, des budgets mensuels, des options de planning ou d'agenda. Donc s'il y a quelque chose qui m'intéresse, il me suffit de sélectionner, par exemple, je pourrais choisir un budget mensuel. Et on va voir apparaître automatiquement le modèle à l'écran. Il est possible de modifier le nom du fichier, l'emplacement où il est enregistré et de modifier les informations qui apparaissent ici. Donc, je pourrais aller compléter et remplacer ce que je désire ici. Et par exemple, comme le modèle est présentement en euros, je pourrais modifier la monnaie pour le dollar canadien. J'ai choisi un des modèles qui m'est offert par mon centre de service. Je sélectionne le modèle qui m'intéresse. La feuille de calcul va ouvrir, la feuille de calcul modèle. Il est possible pour moi maintenant de modifier le nom du fichier, l'emplacement où il est enregistré, d'aller modifier les informations, donc ici remplacer la liste des noms par ma liste d'élèves, et d'aller décocher ou cocher selon mes désirs dans cette grille qui m'est offerte. Et je peux également supprimer des feuilles, tout simplement bouton droite et supprimer la feuille, si j'en ai pas besoin de cette feuille-là. Même si ça m'était offert dans le modèle, je ne suis pas obligée de conserver tous les éléments qui sont dans ce document. Voilà, c'était comment créer une feuille de calcul à partir des divers modèles dans Google Sheets.